Bonjour à tous, bienvenue sur Conseil Guide de CRV. Voilà un nouvel avis, le deuxième. J'avais promis de revenir sur PayName, solution ou plateforme de paiement en ligne pour les professionnels et particuliers qui va vous permettre de recevoir des paiements en ligne ou dans votre espace physique avec votre smartphone. Voilà, il va vous permettre les règlements des services à la personne dans le cadre d'achats d'occasion. Facturer un prestataire, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, vous faire adhérer à une association ou si vous êtes l'association, faire adhérer de nouveaux membres, gérer une cagnotte entre amis, payer votre loyer si vous êtes locataire à un propriétaire, etc., etc. Bon, enfin, ça, ce sont des idées, d'accord? J'avais relevé la dernière fois qu'il y avait un petit souci qui a été réglé visiblement sur le paiement et on va voir ça tout de suite. Alors, je vais aller dans tarifs en deçà, voilà. Et dans tarifs, j'avais relevé qu'il y avait d'un côté un montant hors taxe et un autre en TTC. Alors, on s'aperçoit que la rectification a bien été faite. Et je rappelle que le service relation client de PNM est de qualité puisqu'ils ont mis de mémoire moins de 8 heures à répondre à la vidéo et à moins de 24 heures pour changer l'information sur leur site web. Alors, on se rend compte que le montant de gestion est de 1,9% TTC, d'accord, de frais uniques de prélèvement pour vos transactions. Ça donne environ 1,6%. Voilà, ça, donc, c'est clair, il n'y a pas de problème. Par contre, après avoir visité le site, je me suis rendu compte, quand je suis allé sur les offres, hein, tout simplement, sur les offres, je suis arrivé et tombé sur cette page. Donc celle-ci, déjà, je pense qu'il y a un petit souci ici parce qu'on n'arrive pas à bien lire. Vous devez le voir à l'écran en vidéo. Les offres PayName, c'est en pleine lumière. Je pense qu'il y a une problématique graphique ici. Mais ça, c'est pas grave. J'ai été étonné par contre de voir une autre information sur le paiement. Regardez, ici. Donc bien 1,6 hors taxe, soit 1,90% TTC. Il me semble qu'il y a quelques secondes en arrière, je venais de vous montrer cette même information, mais avec un autre montant. On revient dessus. Voilà, 1,90 TTC et maintenant 1,92 TTC. Alors, 0,02%, c'est pas grand-chose pour une transaction simple pour un particulier ou un petit professionnel. Néanmoins, à leur hauteur, 0,02%, c'est énorme sur le volume de transactions. Donc, relation client chez PayName, aucun problème. Par contre, dans la précision du contenu qui est sur le site pour l'information des prospects ou des clients, ça fait la deuxième fois que je relève une erreur sur le site. Je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Voilà, je tenais à le dire. Maintenant, je pense que ça va être rectifié. Ça n'empêche que vous pouvez naturellement utiliser le site PayName, qui est un site français et qui sécurise vos transactions financières. Je vous dis à très vite et j'appose tout de même, avec quelques réserves, un avis positif sur PayName. À très vite sur Conseil Guide.